Bienvenue dans ce nouveau vlog. On s'est réveillé il n'y a pas très longtemps. Explique ce qui s'est passé cette nuit. Ah oui. On a failli tout perdre. L'angoisse, franchement l'angoisse. Encore un petit peu, il n'y avait plus de vlog. Voilà, ça aurait été un peu le drame. Enfin le drame, non. C'est pas parce qu'on va pas poster de vlog pendant 3-4 jours qu'on va mourir, mais ça aurait été un peu l'angoisse et j'aurais pas pu vous le dire, etc. Enfin bref, on serait vraiment retrouvés sans ordi, sans rien. Alex se réveille à 4h30 du mat et me dit « Rox, ton ordi il a grillé, donc j'ai un MacBook. Ton MacBook il a grillé, il était en train d'uploader le vlog parce que la connexion... » Bon ça va, la connexion en fait elle est pas mauvaise, mais ça prenait quand même bien 2 heures. Entre temps mon ordi avait planté, donc il avait pas fini de l'uploader, pardon. Et là l'angoisse, mon ordi il se rallume plus. On sait pas pourquoi, il se rallumait plus. On a essayé pendant une demi-heure à 4h30 du mat, hein, donc... Voilà, parce qu'une fois que vous êtes stressé par un truc et que vous vous dites « Ah bah mince, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut plus décharger de photos parce que nous, il nous faut absolument un ordinateur pour décharger nos photos, on peut plus faire de vlog, on peut plus rien faire. » Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est la batterie qui est morte et qui charge plus. En fait, le chargeur fonctionne dessus, mais la batterie ne recharge pas. J'ai dû réinitialiser le SMC parce qu'il voulait plus prendre rien du tout. Personne ne sait ce que c'est que le SMC. C'est pas grave. C'est un truc à réinitialiser sur les MacBooks. On sait pas, et ben on cherche. Et il a redémarré. C'est la batterie qui est foutue. On le savait que la batterie elle galérait de temps en temps, mais là, de là à plus du tout démarrer, même en chargé avec le chargeur, c'est chaud quoi. Heureusement, j'avais mon MacBook à moi, mais pour faire de la vidéo, il est pourri quoi. C'est plus vieux, la peine, il va plus, ouais. Voilà, il rame. Bon. Ça tombe bien, il y a la mer. C'est bon du coup, ouais. Je pense qu'on va réussir. Ouais. Si pas, on fera plus de vlogs pendant les 2 jours de vacances qui restent. Ah, pas... si, enfin, de vacances. Je l'ai montré, mais je l'ai montré avec mon iPhone. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vrai que YouTube a essayé de faire quelque chose pour qu'on sache monter, même via YouTube, et uploader ses vidéos via tout son iPhone. Je suis pas sûre que les vlogs avec 50 plans comme on fait, 60 images secondes. Bon bref, c'était notre petite expérience de cette nuit, hein, c'était fantastique. On verra bien ce qu'il en est. Si pas, comme Alex a dit, il va passer dans une boutique Mac. Là, on va au petit déjeuner. Emila, it's here. Ça va mon amour? T'es toute belle comme ça, j'adore, c'est trop beau. Oui, moi je suis toujours autant cernée, mais en même temps je me maquille pas, donc voilà. Magnifique. Voilà. Ah oui, tu as fait un beau dessin. On est au petit déj. Emila voulait absolument du pain avec de la confiture. C'était sa grande demande du jour. On a demandé du chocolat chaud aussi. Et moi j'ai pris plein de petites choses. Le buffet est très beau, je vais essayer de vous montrer après. Maman, mm-hmm. Le petit déj était très bon, nous voilà de retour avec un très bon chocolat chaud, ça c'est rare, je suis difficile. C'est très bon. Donc on est de retour dans la chambre et j'étais en train de regarder nos plannings du jour, je vais essayer de vous montrer. Alors ça c'est mon planning à moi du jour, j'ai une visite médicale à 11h30 et en fait nos soins ne commencent qu'à 14h30, donc on aura même le repas de midi avant les soins. Donc 14h30 douche sous-marine, 15h massage, 16h bain bouillonnant. 16h40, modelage visage relaxant. Et en fait, je dois voir le médecin en visite. Enfin, la visite médicale, c'est pour moi voir le médecin pour être sûr que je puisse avoir un massage, etc. Selon ma grossesse. Donc, on verra bien. Si pas, ils me mettront plutôt des soins du visage, je pense. Et pour ce qui est d'Alex, lui, pas besoin de. Voilà, pas besoin de voir le médecin. 14h30, douche sous-marine. 15h30, modelage sous infusion. 16h30, bain G. 17h10, bio, c'est algues. Et ce sera déjà pas mal, ça a l'air vraiment chouette tout ça. Et comme je vous l'ai dit, pendant ce temps-là, Mila, elle va aller au club enfant, mais bon, c'est pas tout de suite, tout de suite. Ce sera après le repas de midi. Parce qu'elle a hâte d'y aller, elle arrête pas de nous demander, mais c'est quand on a nos soins, en fait, que c'est prévu qu'elle soit prise dans le club enfant. Et c'est donc des puéricultrices diplômées qui s'occupent des enfants. J'ai bien lu les papiers, etc. Pour ceux que ça pourrait intéresser, vous pouvez clairement venir en famille avec vos enfants. Il y a plein de mamans avec des bébés parce qu'en fait, il y a plein de soins maman et bébé. Il y a vraiment un programme exprès pour les mamans avec les bébés. Je pense que c'est à partir de 6 mois, je ne sais plus.
Et je pense que la maman et le bébé ont droit à des soins, etc. En même temps, ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être vraiment chouette. On me l'avait proposé aussi, mais c'est vrai que comme on est fatigué, j'avais trop hâte de venir et de tester, voilà, de tester comme ça maintenant. Mais c'est vrai que j'aurais pu attendre d'avoir bébé et de faire ça avec lui. Mais s'il faut, on reviendra de nous-mêmes, quoi. Hein, parce que franchement, le lieu est vraiment chouette. C'est hyper reposant, c'est vraiment beau, c'est vraiment bon. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai oublié de vous le dire hier, mais je vous mets bien sûr à chaque fois le lien quand on est quelque part en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez, si vous manque des infos, vous pouvez les retrouver sur leur site, quoi. Bon. Un homme dans la force de l'âge. C'est beau. Jour des fleurs. J'ai vu le médecin, du coup, je n'ai pas droit à faire certains soins. Mais j'ai quand même pas mal de choses prévues aujourd'hui qui vont être très chouettes, dont un massage et un soin du visage. Et du coup là on mange, on est sur l'heure du midi, on mange, on est toujours dans le super resto de ce matin. Ensuite on ira faire nos soins et on déposera avant toute chose Mila au club enfant. J'espère que ça va bien se passer. Alors ça c'est la petite mise en bouche des rillettes. Bon, première viande depuis que je suis arrivée. J'ai pas mangé de viande encore, j'ai mangé que du poisson. En même temps on est à côté de la mer donc j'en profite, voilà. Et ça a l'air trop bon. Des fois il se met en veille, tu fais ça. Alex est en train de me montrer comment fonctionne la nouvelle GoPro parce que c'est plus la même chose qu'avant. Et je vais tenter d'aller en immersion avec une GoPro faire mes soins. Donc je vous promets rien. Sachant que c'est tout petit, bon, on m'a pas interdit de prendre ma caméra, mais j'imagine que voilà, qu'on peut pas filmer tout et n'importe quoi ici. Donc c'est pour ça que je me permets pas. Mais je vais quand même prendre la GoPro avec moi. Je vais essayer de vous montrer quand même quelques petites prises de vue de ce que je vais faire comme soins, etc. Et toi tu vas où? Au club. Au club enfant, elle ne sait absolument pas ce que c'est, mais elle est très contente d'y aller. C'est parti. Continue les soins après les passes. Elle peut par trois fois se mettre la soupe d'un coup là. Petit bain maintenant. Oui, ça va être bien. Ça va être très bien. Soins aux algues. Bon, je vous reprends plus tard les amis, malheureusement moi j'ai pas pu filmer parce que c'était vraiment que des massages etc. C'était genre très intimiste, vous voyez les massages, c'était génial. Au niveau du massage du corps, j'ai eu un massage du haut du dos parce que j'ai pas droit au bas du dos étant donné que je suis enceinte et c'était vraiment très bien. Et j'ai eu un massage du visage les amis, comme, enfin... C'était juste, ça m'a vendu du rêve, c'était vraiment bien. J'ai failli m'endormir, c'était top. Entre temps, j'ai pris une douche parce que j'avais du produit partout. Alex, ça fait plein quand de trucs tu canon. Dis que les trucs, c'était moins intimiste pour moi. Le string papier et tout, c'était intimiste. Hein. Et toi, t'as réussi à filmer, tu m'as dit. Et le bain à poids. Alex, il a peur de rien, lui. Il filme là où même où il peut pas filmer, il filme. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai demandé à la personne qui me faisait mon soin de me filmer. Ah bah, mais toi, t'es plus fort que tout, toi. Donc, bah, c'est très cool, ça vous l'aurez vu, à mon avis. Et du coup, entre temps, bah, je me suis changée, je me suis très vite fait remaquiller. Parce qu'on a fait une jolie série de photos et j'ai oublié de vous montrer la robe que je portais juste avant. Je portais une longue robe blanche qui était très jolie. Et on a fait des chouettes photos assez rapidement parce que malheureusement. Le soleil se couche très vite à cette période-ci, donc voilà. Là, Alex voudrait des photos sur la plage, donc on vient de se rhabiller rapidement, tous. Bon, on va essayer de vous montrer un peu la mer, un peu mieux, voilà. Bon, du coup, la mer est là-bas. Bon, y a moyen de faire des belles photos. Le plat du soir, bonsoir. Bon, et ça, c'est le dessert. J'adore. Normalement, c'est le mien. C'est du chocolat. C'est du chocolat, Mila. Et je vais le partager avec Mila parce que je mangerai pas tout. De toute façon, je suis pas très dessert, il faut savoir. J'aime pas trop le chocolat, enfin ça va, mais sans plus.
Oui, mais avec une cuillère, c'est mieux. Bon, on vient de revenir du resto. C'était une nouvelle fois très très bon. Je pense que c'est pas la peine de vous le rappeler. Je pense que ça se voit en vidéo que c'est très bon. C'est aussi bon que ce n'est beau, donc voilà. Mila a voulu goûter les huîtres d'Alex et elle adore les huîtres. Moi, je ne comprends plus rien. Mila adore l'eau pétillante depuis qu'elle est née. Mila adore les huîtres, C'est quoi les trucs que tu manges là que j'aime pas du tout, les espèces de fruits de mer bizarres là. Tu manges des fruits de mer un peu arrondis comme ça. Ah, le poulpe. Le poulpe, elle adore le poulpe. Enfin bref, c'est juste incroyable, c'est des trucs que moi je ne mange pas. Bref, c'est très bien. Là, du coup, on va monter le vlog. On a fait plein de chouettes photos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, il est en barre d'infos. Franchement, on a fait des très chouettes photos à Mila, etc. Et même de nous. Enfin, on a vraiment de jolies photos ici. J'adore et n'hésitez pas à aller les voir. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et on vous fait des gros bisous. À demain. We'll be right back.